Les partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a samedi 10 juillet 2021 organisé à Kananga au Kasai Central une séance de restitution des maudits laminés à Lubumbashi. Il a été question au cours de cette activité de parler des techniques, des sensibilités et engagements des jeunes en politique pour la conquête du pouvoir et de la communication politique développée par Christophe Mputu. De son côté, Albert Nkashama, coordinateur de cette formation politique en province, a pour sa part développé les thèmes « Parler vrai et convaincre en politique, la communication politique selon l'éthique d'ensemble ». Le message qu'il faut donner pour convaincre la population afin de susciter les adhésions des membres. Alors, le message à donner en termes de communication, c'est notre projet de société qui est axé sur trois piliers, notamment la justice, la liberté, mais aussi la solidarité. Et nous avons insisté que dans notre parti, nous disons qu'on ne peut pas bâtir le pays sur base de mensonges. C'est pourquoi nous avons insisté sur la vérité. La vérité, c'est la réalité de notre parti. La réalité de notre parti est, n'est-ce pas, axée sur, n'est-ce pas, les réalisations de notre, les réalisations de notre, notre leader. Donc notre leader prône la solidarité. Nous voulons faire de ces partis une force, n'est-ce pas, qui se bat pour transformer notre société dans la réalisation des projets politiques, économiques, culturels, sociaux, mais basés sur les trois piliers dont j'ai parlé ici, la justice, la liberté, mais aussi la solidarité. Parce qu'il est inconcevable que nous soyons dans un pays potentiellement riche, mais aux populations des mines souffreteuses, aux populations misérables. Et nous continuons à vivre, n'est-ce pas, au dépens de la charité internationale. Et cela ne peut pas emporter l'adhésion de notre parti politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, il était plus que nécessaire que l'on forme déjà les membres qui doivent animer les différentes entités de notre parti dans les milieux les plus reculés, surtout à la base. Rappelons que cette activité a été organisée avec un nombre réduit de membres suite aux restrictions dues aux mesures barrières de la pandémie de COVID-19. Ensemble pour la République.